Yo les gars, c'est Kyo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comment faire un effet carton. Donc, je sais pas si vous savez c'est quoi un effet carton, je vais vous montrer quelques images. Mais j'ai un peu abusé sur le titre, je sais. Je sais pas, c'est un effet carton mais il n'y aura pas les traits du visage. Donc, si vous voulez apprendre à faire les traits du visage, il y a des tutoriels sur YouTube, mais sauf que c'est en anglais. C'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà, là vous importez votre image, donc je vais vous montrer ce que ça rend avec Messi. Voilà, ça rend ça. Et vous allez importer votre image et vous allez faire un nouveau calque. Ensuite, donc on va zoomer. Par exemple, on va commencer par les bras. Et là, vous prenez l'outil lasso magnétique ou ce que vous voulez pour détourer. Prenez que le bras. Donc j'accélérerai pour tous les trucs, juste montrer pour ça comment faire. Voilà, dès que vous avez terminé, là vous voyez, il y a les couleurs. Vous pouvez prendre l'outil pipette et cliquer dessus pour prendre la couleur du bras. Sinon vous cliquez ici. Et vous choisissez la couleur. Voilà, on va prendre ça, comme ça, voilà. Et on prend l'outil pinceau, et on va venir faire ça. Voilà, donc je vérifierai bien que c'est le même. Maintenant, faites un peu plus clair. Je vous enverrai le résultat. Vous pourrez choisir les couleurs sur le résultat directement. C'est plus facile. Voilà. Et vous repassez. Après, vous faites pareil pour l'autre bras. Voilà, dès que le bras est fait, on va faire le maillot. Donc voilà. Et là, pour choisir la couleur, on va changer, on va laisser ça. Vous cliquez sur le maillot, voilà. Et vous avez la couleur. Et donc là, on fait pareil pour les côtés rouges. On sélectionne la couleur. Et aussi il ne faut pas que le logo vous le laissez comme il est. Donc voilà les gars, pour le coup prenez la couleur de peau des bras et prenez un peu plus foncé et vous repassez dessus. Voilà, faire tout le temps ça. Et après pour le visage pareil, mais sauf que là on va prendre la vraie couleur, donc un peu plus clair. Les gars, aussi pour les cheveux, vous voyez ici une partie plus claire, donc vous mettez une couleur plus claire comme ça, voilà. Et après pour les vrais cheveux, vous mettez une couleur un peu plus foncée. Donc voilà les gars, c'est la fin de ce tutoriel. Je sais, j'ai presque rien expliqué, je pense que vous avez compris le concept. J'espère que ce tuto vous a plu. Aussi, je vous mettrai le résultat. Que ce résultat dans la description pour vous aider avec les couleurs. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.